Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau message flash. On y va. Il y a une personne ici qui rêve de te faire une invitation. Elle en rêve. Elle en a envie. Envie de passer un peu de temps avec toi. Attends, attends. On a des blessures. On a la crise. On a l'amitié. On a quelqu'un qui est totalement perdu là. On a l'impression ici, vous voyez, que c'est une situation où. Bon, c'est pas officiel. D'accord? C'est pas officiel avec la carte de l'amitié. On a réellement cette impression que c'est une situation où on peut apprendre à se connaître. On peut se connaître, hein, mais sans forcément, tu vois, partir dans une dynamique bien sentimentale. C'est vraiment. On y va, quoi. On avance. Et c'est vrai ici, tu vois, que tu as une personne en face de toi qui, je sais pas, en réalité, tu vois, si on devrait sortir de cette case-là et basculer sur autre chose. Je sais pas si on devrait laisser, tu vois, comme le caractère éphémère, hein, de la situation de côté pour basculer sur quelque chose d'un peu plus sérieux. On a une personne, en réalité, tu vois, qui, je m'attends pas à être surpris ou surprise, tu vois. J'ai pas réellement cette sensation en réalité que je sois une personne très attirante. Que je sois éventuellement, tu vois, ton type de personne. On a réellement cette impression ici, vous voyez, que pour certains, c'est une personne face à laquelle vous ne vous dévoilez pas. Non. On dit pas je t'apprécie, on dit pas je suis attiré, on dit pas on a des sentiments, et j'ai réellement cette impression ici que c'est quelqu'un qui ne cesse de vous chercher. Je te cherche, je te cherche, je te cherche encore pour voir si un jour tu craches le morceau, tu vois? Pour voir si un jour, éventuellement, tu me dis, bon, écoute, je crois que je suis en train de tomber dedans, je crois que je suis dans la situation et je sais pas si je pourrais faire demi-tour. On a une personne qui peut faire des allers-retours dans ta vie. Une personne qui, j'ai envie de te dire, on a l'impression qu'elle a fait que ça jusqu'à maintenant. C'est un coup, je me sens hyper emballée à l'idée d'aller de l'avant, et puis à d'autres moments, je suis pas du tout emballée. Donc, on a vraiment cette impression, tu vois, que c'est une situation où. C'est montre-moi que tu es attachée. Par la suite, moi aussi, je te montrerai que je suis attachée. Montre-moi éventuellement que tu as envie d'aller un peu plus loin que le caractère un peu éphémère de la situation. Et puis moi, par la suite, ben, je te montrerai éventuellement que j'ai envie d'aller un peu plus loin. Donc, on a vraiment une personne qui. C'est une personne qui suit le mouvement. C'est pas une personne qui prend des initiatives. C'est pas une personne qui en prendra non plus. Puisque je rêve de t'inviter, mais je ne fais pas forcément le pas. Ouais, c'est difficile, hein? Donc ici, on a quelqu'un qui repart, en tout cas, je redébarque dans ta vie, mais encore dans la même dynamique. Hein. Ouais. C'est vraiment ça. On a l'impression ici que c'est une situation où, tu vois, c'est la personne en réalité qui ne sait pas ce qu'elle fait, parce que je décide de couper parce que je ne me sens pas forcément prête ou je ne me sens pas forcément prêt, mais je décide de reprendre parce que je ne suis pas sûre, tu vois, d'avoir bien fait en décidant de couper ou de prendre du recul. Donc, le truc, c'est qu'on a une personne qui a peur de mal faire, on a une personne qui a peur de regretter. J'ai peur d'aller de l'avant, de basculer sur quelque chose de sentimental et de réaliser en réalité que ça ne nous convient pas à tous les deux. J'ai peur de décider de laisser cette situation de côté et de regretter parce que, ben, en réalité, tu es quand même une belle personne, tu es une personne avec qui je me sens bien. En fait, je veux pas me faire de film. On a l'impression que c'est une personne qui ne croit en rien. Non, 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 je crois pas que la mort, ça existe. Bon, peut-être j'y vais un peu fort, tu vois, mais je crois pas que ça soit possible, mais en même temps, peut-être c'est possible, tu vois.
Moi, je te dis, c'est la personne perdue, c'est la personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, c'est la personne qui ne sait pas en réalité comment faire. La seule chose que je pourrais dire en réalité, c'est que c'est vrai, je me vois bien en relation, c'est vrai, je me vois bien construire quelque chose de stable, un de ces quatre matins. J'ai pas encore dit quand. Et on a l'impression ici que c'est une personne qui veut vous attacher à cette dynamique-là parce que, ben, te tourner le dos, c'est être sûr hein, de te perdre pour toujours. J'ai déjà compris hein, que tu ne vas pas rester à m'attendre, que tu ne vas pas t'empêcher, on va dire, comme de partir sur quelque chose de nouveau. Parce que toi aussi, tu as des rêves, parce que toi aussi, tu as des envies, parce que toi aussi, voilà, tu as une vie, quoi. On a une personne qui est coincée dans un schéma et une personne sans le réaliser, une personne qui te coince aussi dans son schéma. Et c'est une personne qui n'ose pas le sortir. C'est un peu spécial comme relation parce qu'on nous montre ici, vous voyez, pour certains, c'est même une personne qui peut vous piquer. Je peux même te piquer, hein, tu vois. Ben voilà, tu peux aller vers quelqu'un d'autre. Moi aussi, je vais trouver une autre personne alors que tout ça, en réalité, c'est faux. Donc, on a l'impression que c'est une personne qui te montre, tu vois, comme une toute autre image, hein, de sa personne et qui dit tout le contraire, en réalité, de ce qu'il ou elle veut. J'ai envie de t'inviter, mais je ne sais pas comment le faire et je ne sais pas si je dois le faire. Mais je ne sais pas pourquoi on nous donne son état d'esprit. Donc là, on est en train de te donner l'état d'esprit d'une personne par rapport à toi. On a le pacte, on a le projet, on a la cigogne, on a les réseaux. C'est parce qu'elle vient, quoi. Elle redébarque en mode. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps, en réalité, tu vois, que je voulais t'écrire, mais. Vous faites face à une personne indécise et une personne, oui, qui ne sort pas de son indécision. Et on a une personne qui veut que tu restes aussi. Je veux laisser planer cette ambiguïté, je veux laisser planer, tu vois, cette forme de mystère hein, sur cette relation, parce que je me dis, bon, je ne veux pas rester seule dans ça, quoi. On a quelqu'un qui a envie de s'en sortir, qui ne sait pas comment faire et qui n'a pas envie de le dire, sinon, ben, tu ne le verras pas ou tu ne la verras plus de la même façon. C'est quand même une personne, tu vois, qui sait au fond, hein, tu vois. Je sais que c'est certains de mes comportements et certains de mes mots ne mentent pas. Il y a des choses qui peuvent être très claires pour toi, mais c'est quelqu'un qui n'ose pas te dire les choses très clairement. Viens, donne-moi la main parce que je flippe grave, tu vois. C'est quelqu'un qui ne sait pas dire ça. Tu verras ce que t'en feras de cette situation. On a l'impression que c'est une personne que tu connais très bien. Et que c'est aussi une situation en réalité où. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide, mais une personne qui n'osera pas te le dire. C'est une personne qui flippe grave, mais une personne qui, si je te le dis, tu ne me verras plus de la même façon. Donc, faut pas que je dise ça, quoi. J'ai envie qu'on aille plus loin, mais j'ai peur, j'attends que ce soit toi qui mouille-toi, hein, tu vois, avant, et puis après, moi aussi, je le ferai, quoi. Tu vois, on se renvoie un peu la balle dans cette situation. Mais la nouvelle possibilité, éventuellement, de débloquer le truc, hein, si vous le souhaitez, pour certains, vous verrez ce que vous en ferez. Parce que ça semble pas forcément évident, donc tu verras si tu as envie de t'investir dedans. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.